Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc là aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 août. Il va faire très très chaud comme partout en France. Donc là, du coup, j'avais pas trop d'idées. On n'avait pas trop envie de manger chaud parce qu'avec cette chaleur, c'est même pas la peine. Donc je me suis réveillée ce matin, je me suis dit pourquoi pas faire une bonne salade de pâtes et partager la recette avec vous. Donc là, du coup, le programme c'est que là, ce matin, je vais vous ramener en course avec moi. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout ce que j'achète pour faire ma salade de pâtes à ma façon, et après vous me direz dans le commentaire est-ce que vous en pensez, comment vous faites votre salade de pâtes. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi. Là, les filles, je suis rentrée des courses. Du coup, j'ai pris tout ce que vous avez vu dans mon panier. Donc là, mon fils, il s'est proposé gentiment de m'aider à commencer par couper les salamis, comme d'habitude. Quand je fais à manger, il me propose beaucoup de m'aider. Donc voilà, c'est gentil. Donc là, il coupe le salami. Après, il va couper aussi les tomates en tout petits morceaux. Et puis après. Moi, je pense que ça pour. J'ai pris aussi de la mozzarella ce matin en course. Du coup, c'est moi qui va couper la mozzarella. Et puis, voilà quoi. Hein, franchement, voilà quoi. Il est bien appliqué là. Vous voyez là comment il coupe. Il coupe bien en petit. Je lui ai dit de couper en petit, tout petits morceaux pour pas que ce soit trop. Les morceaux soient trop épais non plus. Donc là, il s'applique. Donc voilà. Du coup, les filles, ce matin, en fait, j'avais la flemme de faire demi-tour pour aller changer la mozzarella. En fait, j'aurais dû les prendre déjà coupées, ça m'aurait évité de les couper comme ça. En plus, là, vu comment je les coupe, c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais bon, une fois que ça sera dans la salade, mélangé avec le surimi, les tomates et puis les pâtes, ça se verra pas. Mais franchement, j'aurais dû les prendre déjà coupées, ça m'aurait fait déjà ça, moi, à couper. Et en plus, ça aurait été plus joli si j'aurais pris déjà coupé. Donc là, pour la salade, j'ai pris aussi 4 œufs. Donc du coup, là, pareil, je vais essayer de les couper en tout petits morceaux, comme j'ai fait avec la mozzarella et comme mon fils l'a fait avec les tomates et puis le surimi, comme ça, pour pas que les morceaux soient trop gros dans les pâtes. Et puis comme ça, au moins, ça. Donc voilà, une fois que j'ai fini de couper mes ingrédients, je vais mélanger les pâtes. Après, je vais rajouter les surimi. Et puis, une fois que j'ai rajouté les surimi
Je vais mélanger. Après, je vais ajouter les œufs. Puis, au dernier, je vais mettre la mozza et puis les tomates. Mais après, franchement, pas de prise de tête. Vous les ajoutez dans l'ordre que vous voulez. Peu importe. De toute façon, le tout se mange. Donc, voilà. Mais moi, vraiment, je le fais parce que tout était à ma portée. Donc, voilà. Ah oui, les filles, oubliez pas de mettre un peu de sel. Et là, j'ai mis le sel, mais je sais pas si vous avez vu que j'ai mis le sel. Mais en fait, oui, j'ai mis le sel. Et là, du coup, mettez aussi un peu de mayo. Moi, j'en ai mis quand même une bonne quantité parce que les enfants et moi-même, on aime bien la mayo. Donc voilà, j'ai fait en sorte qu'il y en a, on sort quand même un peu la mayo. Et puis là, après, je vais rajouter, j'ai un petit peu d'olive noire. Donc je vais rajouter et puis mélanger. Franchement, c'est la première fois que j'ai rajouté des olives parce que là, comme j'en avais, je me suis dit, je vais ajouter. Ça va changer des maïs. Comme là, vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pas mis de maïs. Mais vu que j'ai encore un peu d'olive, bah, je me suis dit, pour changer, pourquoi pas un petit peu d'olive. Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette petite vidéo recette très facile à faire. Donc en fait c'était juste pour vous donner une petite idée au cas où que vous savez pas quoi faire quand il fait chaud. Donc ça franchement c'est très bon en cas de grosse chaleur et puis surtout c'est pas très cher. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker, mais surtout abonnez-vous pour celles qui ne sont pas encore abonnées. À bientôt, bisous, bye. Alors, c'est comment? C'est très bon. Tu valides ou pas?